Bienvenue, nouvel épisode de notre survie du week-end. C'est quoi ça? Parce que ça, c'est pour la fumée, on est d'accord. Mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande ce que c'est. Un paratonnerre? J'y ai pensé en plus, j'allais dire c'est un paratonnerre, mais c'est un paratonnerre. Ouais, non, ça a l'air d'être un paratonnerre. En tout cas, bienvenue, on va partir pour notre camp. Il n'y a pas de corde apparemment, c'est bête. J'espère qu'on trouvera une corde, comme ça on peut la mettre ici. Et ça nous permet de monter directement là. Est-ce que c'est vraiment très utile? Bof. Enfin oui, enfin, ça fait un raccourci. Hein. Ça fait un raccourci. Donc c'est pas si mal. En tout cas, nous on va prendre le chemin un peu plus long. On va faire le tour, on va descendre. Il fait pas froid pour le moment. Donc on peut un peu se balader. On a aussi un truc qui se balade là. Ouais, on va pas... Ouais, on s'en fout un peu, honnêtement. De toute façon, si on a besoin de nourriture, il y aura bien des loups. Donc, nous, on se fera les loups. Alors, est-ce qu'on peut passer par là, je crois? Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà, pied sûr. Que les foulures, en fait, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est le déchirement des vêtements. Ça, c'est un problème. Ça. Ok, très bien. Ok. On va toucher ça. Là on a des... Ah bah là c'est la corde je crois, c'est la corde. Donc on va aller voir ce qu'il y a. Il y a des lapins. Des lapins. On peut peut-être à la limite prendre un lapin ou deux. Je dirais pas non. Je dirais pas non. Donc ouais, on va aller à notre nouveau coin. Notre nouveau camp. Et on va s'installer doucement. Donc ça va être tranquille, hein, ce passage. Ça va être très tranquille. On va en profiter. On va dessiner ça. J'espère que ça va dessiner les cordes aussi. Non, pas vraiment, c'est pas grave. Donc un paratonnerre qui est relié au chauffe-eau en fait. Pourquoi? C'est parce que c'est en métal. Ou alors c'est pour électrocuter celui qui l'utilise. Je sais pas, c'est bizarre quand même. Il y a beaucoup de livres à brûler. Strictement rien. Et ben, il n'y a pas grand chose. Strictement rien. Attends. Ça serait sympa qu'il y ait... Genre là, il y a plein de livres, on est d'accord. Qu'ils en mettent un qu'on peut lire. Genre comme ça au milieu. Ça serait un bon emplacement, je trouve. C'est vrai que quand il y a des livres comme ça, moi... Ah non, j'ai cru qu'il y avait quelque chose. Il n'y en a jamais, en fait, d'intéressant. Genre la pêche, un truc comme ça. Ouais, bon, bah, strictement rien. D'accord. C'est triste. Alors, lapin. Merde. Ok. C'est pas des lapins, surtout. C'est des lièvres, en fait, ça, non? C'est quoi la différence? Ouais, j'ai merdé. On n'a pas vu. J'ai merdé parce que j'ai voulu tirer trop vite parce que je le voyais pas en fait. Comme j'ai dit, j'aime pas tirer de quand ils arrivent de droite à gauche. Il fait pas très froid donc c'est pour ça que je laisse
Les crampons pour le moment. On va prendre ça. Boîte. Okay. Soupe de tomate, c'est rare. C'est un peu sombre, hein, donc je fais un peu attention. Attends, là? Non. Non, non, je crois qu'il n'y a plus rien. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bueno et on peut partir. Et on peut partir. Ok, on va prendre les lapins et on se casse et on descend. On va sûrement se faire harceler. Attends, je crois. Hop, maintenant il fait chaud. Haha, vous voyez que c'est bien le 1 degré. C'est pratique. Voilà, parce que là on a 0. Vous voyez que c'est pratique ce truc. On a bien fait, on a bien fait. Ça, ça fait une différence en fait, parce que là, en théorie, du coup, on peut marcher à l'infini. Bah oui, c'est un peu lourd. Bon. Là, on peut marcher à l'infini à l'extérieur, y a pas de problème. Alors que si... si on était en négatif, bah au bout d'un moment, on aurait froid, quoi. Bon, par contre, c'est vrai que... Ah oui, 55 quand même. Ouais, on va devoir faire gaffe. On va passer par là. Surtout qu'on pue un peu la barbaque. Ok. Ok. On est bon. Bon, faut faire gaffe hein, maintenant. Ça, on est... Toujours pas à notre camp. Donc faut faire gaffe parce qu'il y a des choses sur la glace. Ouais, on va directement aller au camp, que je... genre la station service en fait. Alors je sais que là-bas il y a des maisons, vous voyez. Là-bas il y a des choses. Là il y a les... Oh la vache! Ils nous ont tous flairés. Si c'est une bonne chose de se trimballer les lapins honnêtement. Parce que le problème c'est qu'ils sont très lourds. À la limite ce qu'on pourrait faire c'est dépecer. Dépecer dans la voiture. Ça nous fait perdre du temps mais... Déjà on peut manger ça. Ah, je voudrais bien le faire à la main en fait. Oh la vache, il m'a fait peur ce con. Ah, on peut sortir l'arc à l'intérieur. Oh, c'est nouveau ça. Ou alors j'ai jamais fait attention. Non, si on pouvait, non, je dis n'importe quoi. Attends, mais il est où le loup là? Ouais, je peux pas me baisser. It's getting dark out here. I'm looking for shelter. Ok. On peut sprinter. Bon, après, c'est le sprint du pauvre. J'ai cru voir un truc noir passer le rocher là. Là-bas. Hmm.
Ok, là-bas ça c'est un cerf ou un truc. Ça va. Ok, silence radio, on écoute. Il y en a dans cette direction. Il y a une chose qu'on peut faire ici, c'est laisser les crampons à la maison. C'est 0,50, donc c'est quand même du poids. Parce que... Attendez. Est-ce qu'on va directement là ou on fait une escale à la maison? Parce qu'il n'y a pas de corde à prendre intéressante. Ici. Donc en théorie on n'a pas besoin. Alors après pour descendre les montées et tout ça c'est intéressant d'avoir les crampons. Mais j'avoue que c'est pas... Oh merde. C'est pas extrêmement utile. C'est bon, on y est. Pas extrêmement utile. Donc du coup, on peut ne pas utiliser. Pourquoi il fait aussi... Ah putain, il fait nuit. D'accord. Ah, ça va. Ah. Ok. Bon, bah, du coup... Tac. 1h12. Ouais, je voudrais le faire à la main pour éviter d'utiliser les outils. Ça va, on a encore assez de ressources. Il nous faut du bois, il nous faut de la viande et il nous faut de l'eau. Donc on va devoir bien farmer, hein, bien chercher les choses parce que là il nous faut des ressources. Au final c'est bien qu'on ait pu ramener les lapins. Ça, c'est cool. Alors, pam pam. Pam pam. Quitter la station, on va se mettre accroupi. Ok. Est-ce qu'il y a un lit? Si, si, il y a un lit. Alors attendez, parce que... le lit, il est là, je crois. On va dormir le plus possible et après on va... bah faire notre maison, notre camp et tout ça quoi. Hein. Parti. C'est parti. Ok, on est en pleine forme. Ah, évidemment, il y a une tempête. Bon, après, c'est pas trop grave. On a encore des conserves à manger si jamais on est dans la... dans les problèmes. Alors, on va recycler ça. Je crois qu'on a une maison pas loin avec un chauffe-eau où on peut mettre 6 trucs. Je suis... Non, c'est peut-être pas là. Je crois que c'est au milieu du camp. Je sais plus. Mais je crois qu'il y a une maison où on peut mettre 6 fait-tout. Ici. Mais je sais plus où exactement. Ça, c'est un problème. Bon, par contre, il fait pas assez jour. Ça m'embête. Ok, maintenant, on pourrait lire des livres. Est-ce qu'on avait des livres intéressants à lire ou pas? Je crois pas. Ah, si, allumer le feu. Ici, allumer le feu, ça peut être intéressant. Ok, il fait un peu jour maintenant. Alors là, normalement, source d'eau non potable. C'est pas intéressant. Bon. Alors, attends. On va commencer à placer les choses. Alors, ça, là.
là. Très bien. Ok, nickel. Alors, et il faut que je pose un peu les choses. Alors, là, on a... Alors, le cuir, on le pose. Le métal, on le pose. Les plumes, on pose. Flèche 1, flèche 1, flèche 1, fût de flèche, on pose. Tête de flèche, on pose. Faut qu'on se vide un peu. Tac, tac. Le livre, on va le garder parce qu'on va le lire. Ça, on pose. Ça, on pose. Pour dépecer, ça, on s'en fout. Très bien. Il n'y a rien sur le bureau. Non, rien. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'étagère? On a ça. On voit pas grand-chose, mais... Ah, peut-être parce que c'est tôt. J'espère qu'il fait un peu plus lumineux que ça, parce que... m'étonnerait qu'ils aient changé la luminosité ici, mais bon, là, c'est un peu pourri. Là, c'est vraiment pourri, quoi. Bien, ça, 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 c'est bon. Alors, maintenant, le bois. Le bois. Alors, 10. 1. Très bien, j'ai aussi un journal. On va le mettre là. Et en parlant de là, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, attendez. Saute. Putain, je le voyais... Ok, ouais, il y a des trucs. Ouais, j'étais trop près en fait pour les voir, mais ouais. Faut bien regarder à chaque fois. Ça, on en vire un, on va le mettre directement ici, très bien. Bon, c'est parti pour notre fouille. Très bien. Ça. Notre fouille complète. Ah, les épisodes vont être un peu longs à cause de ça. Ouais, ça, c'est un backer, c'est pas vraiment important. Parce qu'il y a beaucoup à fouiller à chaque fois. Je crois qu'il y a encore un peu une tempête. Ah, à l'extérieur. Ça, c'est un problème. J'ai vu le livre en dessous. Oh, il y a une scie aussi. Ok, donc livre. C'est pour les armes à feu. Là, on a la scie. Il n'y a rien d'autre. Ok, très bien. C'est un bon endroit hein, pour faire un camp et tout ça. Mais honnêtement, vous passerez un meilleur moment si vous pouvez manger les loups. Hein. Parce que je dois dire qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup ici. Des loups. Donc c'est un peu galère. En fait, faut aller loin. Si vous voulez récupérer des cerfs et tout, ou des lapins, faut aller assez loin. Et la plupart du temps, entre vous et l'endroit où vous voulez genre chasser, eh ben, y a des loups. Donc du coup, bah, c'est un peu relou. Donc ouais, je conseille vraiment de... Ça, on va la poser pour le moment. Ce sera la scie qu'on prendra quand on partira. Ça, on pose. Ça, on pose. Ça, on va, comme j'ai dit, on va le lire. Alors... Ah, la zone pour poser les objets, elle est vraiment proche. Là, pour l'instant, on va le garder, parce que je sais pas trop quoi en faire.
Alors, ça. Alors, on a plein d'aliments. On va peut-être déposer des choses. On a... Ça, c'est du cuir. Oui, du cuir 10 minutes, très bien. Ça, c'est... pas intéressant, mais on va le garder. Hop. Surrounded by snow. Nothing to drink. Ah oui, c'est vrai que t'as soif. Tiens, poisson. Voilà. Les crampons, on peut les poser pour le moment, comme j'ai dit. En théorie, on va pas vraiment en avoir besoin. Alors, café, on va en garder que 5 sur nous. Ah, désolé, hein, on va passer un petit temps à... en faire notre camp, mais après, après je le ferai en dehors des... en dehors des épisodes, parce que ça va être trop long. Ça, c'est con qu'on peut pas mettre les objets les uns à côté des autres, c'est une horreur, ça. Ça, c'est un mode que j'ai envie de vraiment de reprendre, mais j'ai vraiment peur que ça casse la sauvegarde et tout, quand ils rajouteront des choses. Mais la proximité, on pouvait mettre la proximité, on pouvait... genre la hauteur aussi, donc on pouvait en fait empiler les objets. Genre par exemple un livre, enfin des livres, on peut complètement les empiler. Avec ce mode là, c'était vraiment cool. Donc ouais, ça me manque un peu, hein, ça me manque un peu. Parce que regardez-moi l'espace que je... mais non mais t'es sérieux là? Non mais... regarde-moi la... oh là là, c'est débile. Débile. Surtout que quand on les pose par terre, genre depuis l'inventaire, les trucs ils se mettent les uns dans les autres et tout, il n'y a pas de problème. Hein. C'est fou. Ça on le pose. Allô. Celui-là on l'a lu ou pas? Oui, on l'a lu. Ok, très bien. Ouais, il n'y a que ce mode qui m'intéresse vraiment. À... pour le moment, il n'y a que ce mode qui m'intéresse pour être remis. Mais après, comme j'ai dit, j'ai peur que ça casse des choses. Oh, cool. Alors toi, tu vas te mettre là. Et surtout que ça foute le bordel, en fait, avec les... Putain, mais attends, t'es sérieux? On a trouvé donc deux outils de qualité, en fait, en venant ici. Parce qu'on en avait déjà un sur nous. Enfin, bref. J'ai peur que ça... ça foute le bordel dans les objets, en fait. Parce que je me rappelle, une fois, avoir utilisé ce mode. Et après, il y a eu une mise à jour du jeu, je crois bien. Et les objets, après, ils étaient n'importe où, je pouvais plus les récupérer et tout ça, il y avait des trucs comme ça. Mais, enfin, c'était il y a très longtemps et tout. Et j'avais pas touché le jeu pendant un long moment. Donc bon. Mais ouais, c'est un peu le problème, de le risque des mods, quoi. Surtout sur un jeu qui est pas fini maintenant. Parce qu'à la limite, avant, on pouvait dire que le jeu, il était fini. Mais maintenant, bah non, parce qu'ils vont rajouter des choses, donc... donc du coup, voilà. Sans portail. Là, y a rien. Oh là là, c'est grincement sans arrêt. Très bien, très bien, très bien, très bien. Waouh. Pas mal. Attends, il y a un truc là ou c'est moi qui... non, il doit être un truc derrière, je sais pas. Très bien. C'est pas mal, hein. Ah oui, c'est vrai que... oui, non, en fait, on n'aura même pas besoin de faire de l'eau. Parce que de l'eau, on va en trouver plein, il y a des maisons. Donc oui, 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 on va en trouver plein. Donc en théorie, il n'y a vraiment que les calories à faire. Hein. Que faire à manger, en fait. Ça rend fou ce grincement. J'ai l'impression que tous les bruits chiants, c'est pire. Depuis qu'ils ont changé le jeu. J'ai l'impression que c'est pire.
Tout ce qui est chiant, c'est pire. Genre, on avait les corbeaux. Les corbeaux, c'est une horreur. Ah, attendez, qu'est-ce qu'on a récupéré, ça? Du café. Oui, du café. Les vêtements, donc ça, on le laisse sur nous parce qu'on va le déchirer. Là, on est bon. Il nous faudrait un endroit pour mettre... Enfin, normalement, je le mets là-dedans, mais... Premier secours. Ah ouais, on va pas arrêter de faire ça, parce que c'est bien. 5, 5, 5, très bien. Faut juste que j'y pense, en fait. Catastrophe de mettre des objets comme ça. Horrible. Faudrait qu'il y ait une commande en fait pour retirer le la hitbox quand on replace les objets. Ok. Ok, ok. Ouais, ça c'est 350. C'est vrai que j'avais pas fait attention, c'est 350 le beef jerky. Alors que... l'autre c'est 300. J'aurais dû prendre tous les beef jerky en fait. Oh mon dieu ce bruit. Oh mon dieu, on va sortir. On va sortir, ça me rend fou. C'est bon, on est à 40 kilos, ça va. Le sac de couchage, honnêtement, on peut l'enlever pour le moment. Pas vraiment utile. Oh là là, oh, lui pète un câble. Pourquoi on est lourd? Attends, on va virer quelques flèches. On va ranger une dizaine de flèches. Ça me rend fou, ça me rend fou, ça me rend fou. Ok, nickel. 35 kilos. Très bien, let's go. Ah. Oh mon dieu. Ah la vache. Ouf. On va faire les voitures après. Les voitures, c'est long, c'est chiant. Je veux d'abord faire cette maison-là. Il faut aussi qu'on fasse... qu'on fasse quelques loups. Faut faire attention ici, quand même. Mon dieu, c'est quoi cet éclairage? Sans déconner. Ça, la poussière? Moi, avec de la poussière comme ça, je meurs. Je suis allergique à la poussière. Oh mon dieu. Quoi? Bombe de peinture. Je vois strictement rien. Non mais ça... C'est bon là? Attendez, on va d'abord faire les endroits qui sont très très noirs. Très très sombres. Okay, je pense que c'est bon. Livre. Voilà.
Bon, on va faire l'étage maintenant que je suis à l'étage et on fera la cuisine en dernier. Tout est extrêmement sombre. Hein. Truc de fou, quoi. C'est pas mal. Je vois rien. Aziz. Aziz lumière. Référence de vieux. C'est devenu officiellement une référence de vieux. Aziz Lumière. Cinquième élément, c'est vieux maintenant. Il y a plein de gens qui l'ont pas vu. Hein. Maintenant, de nos jours. Enfin, de jeunes, évidemment. C'est triste. Donc, beaucoup d'épisodes, ça va être ça. Hein. Ça va être le bruit de placard, honnêtement. C'est... Non, ça va être une centaine de bruits de placard comme ça par épisode ici. Pendant un petit moment. Donc c'est pas le plus fun, j'avoue. C'est peut-être un peu chiant même, mais ouais. Grippin, 15 minutes. J'ai vu qu'on avait une tisane. Elle est à combien la tisane? Elle est à... Ouais, c'est le genre par défaut, en fait, c'est ça. Ça marche. Alors, un truc qu'on peut faire, c'est récupérer quelques tissus. C'est une bonne idée. Enfin, c'est juste comme ça pour le moment. Après, moi, j'en récupérerai plus de mon côté. Je ferai genre le tour de toutes les maisons qui restent. Enfin, pas qui restent, mais dans les endroits qu'on a visités. Puis je prendrai tous les tissus, je pense. Comme ça, je les réunis tous à un seul endroit. Alors là... toi, t'es 450. Ouais, toi, t'es 600 pour 25, ça c'est bien, ça. 325, c'est pas bien. 450 pour 50, c'est pas bien non plus. Mais toi, t'es le moins bien. Donc, on va te manger. Je crois que ça fait un peu d'eau. Ouais. Très bien. Ah mince. L'eau. Et en parlant d'eau. J'ai pas pris l'eau. J'ai pas pris l'eau. J'y ai pensé en plus. J'ai vu... Et voilà. Il y a au moins toujours entre 1 et 2 litres en fait. Donc honnêtement, l'eau, on va pas trop avoir de problème. Ce qu'il nous faut là, c'est des calories. Parce que là, on va taper en fait dans nos réserves. Après, il y a des massettes qui traînent. Mais il y en a pas beaucoup. Alors en parlant de calories, vu qu'il fait beau... On va faire les voitures après. On va d'abord chasser. Tout simplement. En plus, on n'est pas lourd, donc il fait beau. Donc, on va en profiter. Eh oh! Eh oh! Petit. Tiens, on peut faire du feu, je crois, en plus. Faut faire attention parce que des fois ils se cachent, genre là dans le périmètre. Et il y a tellement de montées de descente avec des arbres, très facile de tomber nez à nez avec un loup en fait. Ouais, genre là par exemple.
Très bien, belle flèche, belle flèche. Vous voyez? Quand je le dis que ça arrive, donc ça c'est très bien, ça montre bien que j'ai raison. Alors, avant il y avait un cerf ici, je sais pas s'ils l'ont retiré. Je crois qu'ils l'ont retiré complètement. Ouais, avant il y avait toujours le corps d'un cerf en fait, enfin la carcasse d'un cerf. Maintenant, maintenant il n'y a plus rien. Et j'ai l'impression qu'en fait ici, en général, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de carcasse en fait. Du coup, ça rend un peu la zone un peu plus compliquée. Ouais, ça rend le truc plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On fouille? Ah non, 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 non. On va... Non, parce qu'on va perdre du temps. Non, non. On va découper le loup directement. Comme ça, on aura directement la viande de prête. Pour faire cuire. Et ça serait vraiment bien que je puisse faire un feu. On peut. Ok. Let's go. On peut le faire à la loupe, on y va. Ça se passe bien, je suis content. Enfin, on a des petites branches à droite à gauche, donc en théorie ça devrait bien aller. C'est très bien. Ça. Comme ça on aura déjà deux steaks de prêt. Enfin, on va faire le tour pour récupérer du bois. Dans les montagnes apparemment. Là je cherche du bois hein, surtout. On va pas faire les bâtiments. Les bâtiments qui sont autour du camp, peut-être que je les ferai de mon côté. Je sais pas. C'est vrai que c'est un peu bof. C'est bien jour là. Ici c'est un endroit tranquille honnêtement. Après bon. Ça veut pas dire que hein, y a des tempêtes et tout ça. Attention, il y en a, il y en a. Mais en résumé, hein, c'est pas si mal. Hein. J'adore cette phrase, c'est pas si mal. Hein. Genre un truc horrible, on peut dire que c'est pas si mal. Magnifique. Non mais ouais, c'est un bon endroit. Honnêtement, c'est un bon endroit. Et je vais être franc, j'ai toujours dans le coin de l'esprit que notre survie, notre saison là, elle est quand même biaisée. Bon, déjà on a un couteau, bon ça on a vu, on a un couteau depuis le début, on a compris pourquoi et tout ça. Ce qui est cool, hein, parce que ça rajoute un petit bonus, hein, ça fait que, comme j'ai dit, ça fait comme si on avait notre... genre le bonus d'avoir fait plein de saisons, vous voyez, genre un objet qu'on peut garder. C'est marrant. Mais je pense encore que notre survie là, en intrus, elle est un peu plus facile que la normale. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des nouveaux objets depuis. Genre comment ça s'appelle ? Ça là. Genre le sirop d'érable. Les chips au ketchup. Il y a ça, qui n'existait pas avant. Maintenant, ça existe. Donc, c'est sûr que ça... C'est pas mal. Donc, il y a ça. Mais c'est vrai qu'on trouve quand même beaucoup de nourriture. Mais le plus, en fait, qui me dit que on est un peu plus facile que d'habitude. Enfin, on l'a un peu plus facile que d'habitude. C'est le temps. Parce que c'est assez rare d'avoir du très très mauvais temps pendant très longtemps. Donc je me demande si... voilà. Parce qu'en théorie, pour nous, ça devrait s'empirer. Et bah, j'ai l'impression que ça se passe bien, en fait.
J'ai l'impression qu'on a atteint la limite en fait. Genre ça peut pas être pire. Vous voyez ce que je veux dire? On a atteint le paroxysme en fait de... Faut que j'arrête de dire en fait. On a eu atteint le paroxysme du mauvais temps. Et il n'est pas très haut en fait. J'ai envie de dire. Donc je sais pas. Ah, du coup, mais j'ai pas... Reutiliser le couteau. On va manger ça. Très bien, 40 minutes. Vas-y, ramène-toi. Ça, c'est quoi? C'est un cerf ou un... une bichette? Eh oh, le chien, ramène ta fraise. S'il te plaît, n'aie pas peur. T'es un prédateur. T'es un mâle alpha, vas-y. Mais sérieux, tu me vois moi, quoi, au bout d'un moment. Je vais pas m'approcher. Voilà, viens. Voilà, ramène-toi. C'est bien parce qu'on n'a pas froid du tout en plus. Après, le mieux c'est de chasser les cerfs et tout ça, évidemment. Mais bon, là, vu la facilité et ce qu'il y a de proche, on en profite. J'ai peur qu'il me lâche par contre, parce qu'on n'a pas de viande du tout. On est très léger, on se déplace vite. T'es là. C'est parti. Très bien. Toujours prendre son temps, bien viser. Toujours. 26 minutes. 25 minutes. Vous vous rappelez quand j'ai dit qu'on était bon pour le temps? Ah, vous prenez ça, vous l'écrivez sur un papier, vous lui mettez le feu. Je fais bouclier avec mon corps. Alors, une minute. Très bien. Alors 1,7 kg. Il y a un truc là qui bouge. Non. Non. Toi t'as plus rien. Une heure. Après, il fait pas très froid, donc bon, on peut le faire. Hein. 38 minutes. On va faire ça à la main. Parfait, ça a pas soufflé. Yes. Très bien. Fais voir le feu, combien? 1h12, très bien. On a eu de la chance, ça a pas soufflé notre feu. Et il fait encore chaud, putain c'est ouf quoi, c'est top.
1 degré. Vous voyez, c'est bien le coup du... cache-oreille, là. Top. Alors là, on a une bichette. Une petite bichette. C'est intéressant. Ouais, je voudrais dessiner aussi. C'est vrai que je voudrais faire ça. Voilà, c'est pas mal, ça. Il nous faut des boyaux. La peau, à la limite, la peau d'ours, de loup, on s'en fout. Mais il nous faut absolument les boyaux. Ça. 40. Ok. Après, on a déjà des boyaux avec les... comment ça s'appelle? Les lapins, hein, mais bon. Voilà. Si je fais deux boyaux, ça va me... Ça va me faire perdre du temps. Donc. 30 minutes... Main. Très bien. Voilà. C'est pas encore assez pour... Bah attendez, on va en profiter. Bah ouais, notre épisode ça va être... on est bloqué là et on fait de l'eau et tout ça. Je suis désolé, mais... Ah, c'est pas le truc le plus excitant, mais... Je vais décider après de, sur ce que je fais par la suite, parce que en fait l'épisode il va se passer juste autour de ça. Mais je voudrais récupérer notre faitout. Voilà. Et du coup, je vais pas ramener tous les boyaux, c'est pas grave. Mais moi, je vais peut-être faire le tour de mon côté, parce que c'est, je sais pas. Il y a quand même beaucoup de véhicules à fouiller. Il y a encore quelques maisons autour. Je sais pas. Nickel. Mais ouais, j'hésite encore. Qu'est-ce que... Bah, le problème, en fait, c'est que si je commence à couper des morceaux ici, vu que tout ce qu'on fait, bah, c'est fouiller des maisons et fouiller des maisons, bah, du coup, en fait, je vais couper quasiment toute la totalité de notre périple ici, en fait. Dans un sens, quand j'y pense. Donc bon, c'est pas vraiment la meilleure chose à faire. Bon, on va tenir un peu avec la viande qu'on a, c'est bien. Je voudrais bien aller dans la maison, mais... Attendez, j'ai entendu un... J'ai cru entendre un bruit comme quoi on marchait dans la neige. J'ai dû le rêver.
peut enlever la peau maintenant. Ça. Ah, j'ai eu l'impression d'entendre quelque chose qui marchait dans la neige, mais je crois que c'est moi. Je crois que c'est mes pas. Ah non, on va rien voir. Ah non, ça va. On voit encore un peu vite. Vite, vite, vite. Voilà. Ça nous fait 2, 3, 6, je crois. 6 boyaux, donc ça c'est bien, comme ça on aura une petite réserve déjà dès le début, pendant qu'on fouille encore en fait. Donc ça c'est nickel. On a déjà récupéré quelques plumes, on a pas mal de calories, on a de l'eau, ça va. On va voir s'il n'y a pas plus de plumes. C'est pas mal. Il te reste... Il te reste plus que la peau sur les os. On va récupérer cette peau-là. Alors, j'ai dit la peau elle servait à rien. Et je vais être honnête, la peau sert à rien. Ça, oui, ça nous fait même pas monter de niveau, du coup, parce qu'on est au max. Ouais, non, ça sert à rien en fait. À la limite, la seule chose qui pourrait être utile, c'est si jamais. Parce que apparemment, ils doivent rajouter des vêtements. Un jour ou l'autre. Je sais pas si c'est la prochaine mise à jour ou pas. Mais ils doivent rajouter des vêtements. Non, on est bon. I'm not sure I can carry much more. Donc on sait pas de quel type. On sait pas si c'est des vêtements bah, humain, j'ai envie de dire. Hein. On ne sait pas si c'est des vêtements humains. Genre à trouver. On ne sait pas si c'est des crafts. S'ils sont pas cons, hein, je vais être honnête, s'ils sont vraiment pas cons, ils feront des crafts. Parce que comme ça, ce sera beaucoup mieux pour... Oh, c'est vrai qu'on a ça aussi. J'ai oublié. Ouais, on a ça aussi. S'ils sont pas cons, ils feront des crafts avec des pots. Parce que comme ça, tout le monde peut en profiter, du coup. Donc ouais, j'espère vraiment que ça va être des crafts. Oh, je prie tous les dieux qui existent, ceux qui n'existent pas surtout. Que ça soit des crafts et que ça soit des choses avec des pots, en fait. Parce que du coup, pour nous, ça va être vraiment cool. Surtout qu'on a déjà des pots un peu partout. Donc honnêtement, ça va être cool. Nous, on n'a pas le problème de... Genre... on doit tuer, je sais pas, genre un ours et tout machin. Ah non, c'est difficile. Non, non, nous, on tue tout. Donc c'est pas vraiment un problème. Quoi. On chasse tout. L'ours, l'élan, n'importe quoi. Et puis on a des pots qui traînent un peu partout aussi. Enfin, à nos camps. Qu'on a laissé. Je vais aller. C'est le feu qui craque?
peut aller poser l'eau. Je crois qu'on a un truc qui rôde autour de, du feu. Je sais pas exactement ce que c'est, mais ça faisait un gros bruit. Je sais pas du tout ce que c'est. On avait beaucoup d'eau. On laissera comme ça pour le moment. Je rangerai après. Faire gaffe. On va garder la torche. On va mettre de l'eau dedans, mais je crois que ça va être... Enfin, attends, est-ce que je peux... Enfin non, ça me servira à rien de faire cuire des titanes. Ouais. On va mettre de l'eau dedans, mais je crois qu'elle va s'évaporer. Ça, il va rester trop de temps. On va aller... on va aller dormir. Mais attendez. Je vais pas prendre une torche, sinon ça va enlever du temps. On va faire ça. Ça, on voit quelque chose. On va laisser le feu mourir tout seul, parce qu'on va dormir, nous. Et je pense qu'on aura 2 litres d'eau qui sera purifiée et tout ça, le temps que ça se fasse. Ok, on a tout ça, c'est bien. Ça, on pose. Le feu, on pourra le... Le livre, pardon, on pourra le lire. On a des allumettes. On devrait poser. Normalement, les allumettes... On va les mettre dans le truc de premier secours. C'est ce que j'ai fait au Mont Timberwolf, donc j'ai envie de garder ce système. Après quand on partira, on verra combien on en prend. Voilà, ça c'est le kit de premier secours, il y a des allumettes, il y a des, de la médecine, tout ce qui est médecine aussi. Ah oui, attendez, je crois que j'avais un... Il y avait ça, il y a quoi d'autre en médecine? Oui, bah il y a ça aussi. Voilà, très bien. Ça, c'est très bien. Nickel, on a de l'eau. J'ai de l'eau sur moi. Et on est bon. Je crois qu'il me reste plus aucun bois. D'accord. Bon, on va s'arrêter là. Donc, je sais pas trop encore... le lit. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Tais-toi. Merci. Je sais pas encore trop ce que je vais faire. Mais je pense que, ouais, je vais rien couper de cet endroit. Parce que... L'autoroute côtière, c'est ça, en fait. C'est... Aller de maison en maison, fouiller les maisons et tout ça, fouiller les voitures, enfin voilà.
n'y a pas autre chose à faire en fait. Donc si je commence à couper de ça, bah ouais, autant tout couper quoi, il n'y a que de ça. Donc on va continuer. Et bah ça va nous prendre des épisodes un peu plus tranquilles que d'habitude. Genre il y aura moins d'exploration et tout. On va rester quand même pas mal de temps ici, parce que comme j'ai dit, il y a énormément de choses à fouiller. Ça va prendre du temps, mais on va être blindé de chez blindé en tout. Parce que rien que là, on n'a même pas bougé, on est blindé hein, déjà quand même. Donc ça c'est bien. Ah oui, il y a ça à poser. Ça sert un peu à rien. On va déchirer, parce que ça on n'a pas besoin d'outils, donc on peut le recycler direct. Très très bien. Je suis content de faire ça avec l'équipement là, genre le cache-oreille, de l'utiliser. Et c'est vrai que j'avais pas jamais pensé à faire ça dans mes anciennes saisons, de mettre la sacoche en premier. J'ai même envie de limite de me faire attaquer pour voir si ça marche bien. Mais ouais, tout ce qui est là c'est extérieur, tout ce qui est là c'est extérieur aussi. Donc ouais, donc ça c'est cool. Et oui, on n'a pas besoin de... on n'a pas besoin de crampons pour le moment, honnêtement. Donc tant mieux. On va rester comme ça. Une chose qui serait bien, ça serait des chaussettes d'escalade. Alors je sais pas du tout si on peut les trouver. J'espère. Et après, les sous-vêtements rouges, là. Les sous-vêtements rouges, ils sont complètement abusés en termes de chaleur. Genre de 1, vous passez à 2. C'est le double. C'est le double, c'est abusé. Alors je crois que les chaussettes... Je crois que c'est 1 de chaleur, je crois. Peut-être 1.5. Non, ça m'étonnerait. Je crois que c'est 1 de chaleur. Les chaussettes de montagne. Donc on gagnerait pas trop. Mais là, les sous-vêtements rouges, là, ça serait 2. Ça serait énorme. Énormissime. Mais je crois pas que ça apparaisse en intrus. Je crois qu'on a, honnêtement, on a le meilleur équipement possible, en fait. On a vraiment le meilleur équipement possible. Il n'y a que le pantalon de combat qui est vraiment utile pour nous. Parce que du coup, c'est la même chaleur que le pantalon en peau de serre. Mais moins lourd, mais moins lourd. Moins pénalisant aussi. Donc ça c'est cool. Ouais, protection 40%, c'est nickel. Allez, à la prochaine. Portez-vous bien. On va manger et boire un dernier coup. Et la prochaine fois, on continue notre fouille. Tranquille, on fait petit à petit. On ira sur l'île des lapins. Peut-être que sur l'île des lapins, ce que je ferai... Alors ça, je le fais jamais. Mais c'est pour avoir le badge. Parce que je l'ai pas, ce badge-là. Parce qu'en fait, c'est vrai que je l'ai jamais fait. Enfin, je l'ai jamais fait. Si, je l'ai fait, mais pas vraiment beaucoup. C'est... le coller. Les coller. C'est faire des collets. Bon, par contre, ça demande des boyaux. C'est chiant. C'est chiant. Mais faire des collets, je crois que si vous attrapez en fait 100 lapins avec des collets, vous avez le badge en fait. Et vous pouvez l'utiliser, genre ça double ce que vous récupérez au collet. Mais comme j'ai dit, les collets ça sert à rien du tout, plus rien, depuis qu'ils ont rajouté le fait de balancer des pierres sur les lapins en fait. Donc ça sert vraiment plus à rien. Surtout qu'il faut aller les récupérer, ça casse, il faut en refaire d'autres. Mais bon bref, ça j'en ai déjà parlé. Mais voilà, peut-être que je ferai des collets juste pour le kiff en fait. À la prochaine, portez-vous bien, bonne nuit, ciao, et voilà, à la prochaine.